Attention, dans cette vidéo, vous allez entendre une personne parler relativement vite, sur un ton quasi monotone et sans utiliser une seule fois le mot bref. Oui, je sais, c'est assez déroutant. Courage. Salut, yo, bonsoir, c'est Soichiro Dama, le critique du Critical Damage JX, et vous vous demandez sûrement pourquoi je parle aussi vite dans cette vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'il y a peu de temps, même je dirais quelques heures, mon ami et collègue, autant dans le monde vidéoludique que dans cet endroit que l'on nomme le monde réel plus communément, Dark Ventura m'a lancé un défi, celui de réaliser la critique d'un jeu en moins d'une minute et 30 secondes, le tout dans une totale improvisation, bah oui, parce que sinon ce serait quand même un petit peu trop facile. Un exercice qui peut se révéler quand même être très difficile pour le commun des mortels. Et comme je suis un type sympa de temps en temps, j'ai décidé de relever ce défi. J'ai donc décidé de profiter de cette occasion pour vous parler de LSD Dream Emulator, qui est sans doute l'un des jeux les plus hors du commun de tous les temps. Donc, la critique commencera dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! LSD Dream Emulator, c'est l'histoire d'un jeu. Un jeu japonais, développé au Japon par Outside Director Campaign, sous l'impulsion de Hiroko Nishikawa. Ce qui est quand même incroyable que j'ai réussi à retenir son nom. Un type qui s'est dit que ce serait quand même sacrément cool de noter ce qu'il voit dans ses rêves pour en faire un jeu vidéo. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il en résulte LSD Dream Emulator. Et non pas Simulator, comme beaucoup semblent le penser. Oui, il y a beaucoup de gens qui confondent Emulator et Simulator, c'est complètement con. Donc, nous voici en présence d'un jeu qui n'a qu'un seul unique but. Celui de vous balader de rêve en rêve au rythme de vos parties. Pas scénario, pas de dialogue et même pas de gameplay. Oui, parce que c'est un jeu sans gameplay, ou presque. Je vous explique, le jeu est divisé en jours. Vous vous retrouvez dans ce qui semble être un appartement et chaque fois que vous rentrez en contact avec un objet, vous êtes téléporté dans un lieu différent qui est toujours un peu plus étrange que celui d'avant. Ou je sais pas si on peut être plus étrange que celui d'avant en fait quand on y réfléchit. Parce que si l'on garde un souvenir de jeu, c'est bien celui de l'étrange. Rien n'est logique, rien n'est de bon goût, rien n'est probable, tout est déluré et parfois même angoissant. Un type en impair qui vous suit, une tête géante humaine, des éléphants volants, vous allez croiser un tas de choses sans que ce soit vraiment logique. La lenteur et la lourdeur des déplacements ne sont pas vraiment non plus là pour arranger les choses en fait. L'angoisse s'installe assez rapidement puisque n'ayant aucun point de repère, l'esprit humain se perd et l'angoisse arrive. Et puis il faut aussi noter que la musique de Kenichi, pardon, n'est pas là pour arranger les choses. Kenichi, si vous savez pas qui c'est le type qui un peu plus tard développera la musique de l'un des meilleurs rad shooters de tous les temps, Rez. Et ça, c'est à noter. LSD Dream Emulator, c'est donc une expérience à vivre, un peu comme celle de réaliser une critique en moins d'une minute trente. Ah, faut le suivre, hein. Ah ouais, hein. Et bonjour à tous et à toutes, hein, puisque du coup on n'a pas fait d'introduction, puisque... Soichiro a fait tout le boulot, quoi. Ouais, carrément. J'ai envie de dire, Soichiro, félicitations, tu t'en es parfaitement sorti pour ce défi, hein, c'était magnifique. Bah c'est très bien, enfin bravo à toi, quoi, mais on va pas en rester là. Eh, il manquerait plus que ça. Donc, pour se venger, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée. Tu vas créer une émission qui va s'appeler Périple avec les pieds, ouais c'est ça. Et tu vas jouer à Ghouls and Ghost, truc dont j'ai du mal à prononcer le nom, avec la manette à l'envers. Hé hey. Il l'a pas déjà fait ça? Mais c'est quand même moi qui lui ai donné l'idée. Bon bah sur ce, bon, vidéo très courte, épisode 3 très court, mais... En même temps, critique d'une minute trente, hein, j'ai envie de dire. Oui, parce que là, on avait envie de... On avait une idée de jeu, enfin j'avais une idée de jeu, c'était de le faire jouer sur F-Zero GX, mais je sais qu'il se débrouillait très bien, donc ça n'a pas été drôle. Et donc je me suis dit, vu qu'il se débrouille pas trop mal pour faire des critiques, bah on va lui mettre un temps de parole, comme et les candidats. On lui a fait un petit défi là-dessus, et faut avouer qu'il l'a bien poutré le défi. Oui, hein. Et puis aussi il a bien choisi le jeu. Ouais, hein. Ouais. La drogue. C'est magnifique. Et bon. On va vous laisser sur ces paroles... C'est pas pertinent, pas philosophique. Et bah on va vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode d'Incroyable Défi ou toute autre vidéo à notre sauce. Oui, d'ailleurs, on peut annoncer qu'on a prévu des wars through de la What the Fuck. Je sais même pas si on va les appeler comme ça, on verra petite bien. Petite pub, hein. Petite pub. Bon, allez, à la prochaine. À la prochaine. Et puis, Soichiro, on t'aura. Fais attention à tes fesses, longe les murs. Ils nous volent notre travail! Ouais, ils nous volent notre travail! Joue de la main gauche. T'imagines? Joue de la main droite et. Ah non mais! Oh, ça va être impossible! Espratel de. Oh putain! En plus, ça c'est pour déraper, je crois que c'est. Comment déjà? C'est l'une des deux, je crois. T'es sûr que c'est pas. Ah oui, mais quand tu joues tout seul, c'est l'une des deux. Putain, c'est-à-dire que. Mais toi, tu vas galérer, toi! Hein. Ah mais carrément, ouais.
pour le X, je peux l'utiliser pour le gadget. Oh, mais il va falloir se coordonner aussi pour lancer le gadget en avant ou en arrière. Oui, mais oui, mais c'est ça qui est drôle la première. Ouais, vas-y. Mais avec. Non, mais attends. Ah, si, c'est énorme. C'est pas... Bah, non, sinon c'est facile hein, comme ça de jouer. Comme oui, ça, c'est vrai. Facile. Alors que comme ça, rien. Oh putain. Ça Miyamoto. Miyamoto, attends, lâche la tête. Miyamoto, t'as pas prévu ta manette pour qu'on la prenne pas avec les bottes mains. C'est pas ambidextre, t'en emmènes. T'as pas pensé aux cons qui auraient pensé à ça, hein. C'est pas sympa. T'as pas pensé à nous, fais chier, merde. Ouais, mais quelle idée. On est pas n'importe qui, on fait des vidéos à la con. On a des idées de merde. Faut penser un peu à nous, hein. Quand tu crées une console, la prochaine tu penses à ambidextre. Je crois que c'est parfait.